Yaourt, fruits, légumes pour ces gymnastes. Un petit peu de viande, mais rarement. Ouais. Poisson peut-être. Surtout en période de compétition, bien sûr. Donc là, je vous Victoria dis que Danova. Je suis convaincu d'avoir choisi le bon sport. Hein. Adapté. Victoria Danova pour la Bulgarie à la corde. Bah, Victoria, la Bulgare, elle doit bien aimer les yaourts. Ben hein, oui, ça fait ils sont du bons. Régime dont vous ils parlez. Sont bons. Et je les ai goûtés en Bulgarie, je vous assure qu'ils sont et vraiment comment bons. Alors, elle est à la corde. Cela démarre bien, la suite de petits pas est bien. Le travail au sol l'est tout autant. Cela va vite, ça c'est important. C'est un mouvement tout en accélération, c'est également important. Double retourné pendant que la corde était dans les airs. Travail des deux mains, la corde toujours en mouvement. Joli travail de pointe. Retourné ici. Attention aux 15 dernières secondes. Super. Elle est bien cette Victoria. Elle est très bien. Position, vraiment. Beaucoup de recherches. Victoria Danova, l'une des révélations de ce tournoi de Corbeil-Essonnes, qui est également un tournoi qui a servi tout au long des ans de révélateur, car lorsque l'on voit le palmarès de ce souvenir Véronique de Christophe, il n'y a que des championnes. Dont on saluera la mémoire, car elle a été pour une grande part dans l'introduction de la GRS en France à la fin des années 60.